slide suivant. Donc, on reste toujours aux environs de 300 revenus d'intégration, et ce, depuis 2014 même. Donc là, on a fait depuis 2019, mais on voit certains pics de temps en temps, comme on l'a eu en février, mais à chaque fois, pour la fin de l'année, on arrive à redescendre grâce aux services de réinsertion socio-professionnelle qui travaillent beaucoup en dessous de la barre des 300 revenus d'intégration. Au niveau des montants d'aide octroyés, donc par nature, on constate qu'il y a vraiment un énorme pic cette année au niveau des aides pour l'énergie, ce qui est logique puisque tout a augmenté très fortement. Pour le reste, actuellement, on ne remarque aucune grosse augmentation, si ce n'est celle-là, et les aides en avance. Les avances, ce sont les avances octroyées concernant les dossiers non régularisés en termes de chômage mutuel. Donc, c'est simplement que les autres administrations ont pris beaucoup de retard dernièrement, donc on a plus d'avances à octroyer, mais on les récupère, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Au niveau des frais d'hébergement, c'était un peu le gros point noir l'année dernière. C'était en constante augmentation. Ici, on remarque que ça a diminué assez fortement, enfin, pour l'instant, en 2022. Non. En termes de montant, l'année n'est pas terminée, mais c'est en bonne voie, heureusement. Au niveau des dossiers vraiment énergie, on remarque que cette année, depuis le mois de septembre, c'est un petit peu. On est assailli de demandes, de nouveaux dossiers. Donc, vous voyez qu'en septembre, on a eu plus de 20 nouveaux dossiers. Alors que d'habitude, on ne dépasse que très rarement les 15. Donc, voilà, on a eu à peu près la même augmentation en octobre et ça ne fera qu'augmenter a priori. Au niveau des ménages bénéficiaires du service énergie, on peut constater également qu'on a une forte augmentation. C'est quoi, Jean-Marie? Mais oui, on trouvait intéressant de mettre en valeur le travail des conseillers de l'action sociale, notamment les trois du groupe Action. Voilà, si maintenant vous voulez qu'on stoppe la présentation, moi ça ne me pose pas de problème, Alice non plus. Oui, mais on trouvait qu'humainement, c'est un moment opportun de mettre. Donc est-ce qu'elle peut continuer ou est-ce qu'elle stoppe? C'est comme vous voulez, moi vous décidez. Voilà. Alice, nous t'écoutons. Nathalie vient de faire la présentation en termes de synergie et chaque année, on fait une petite présentation sous forme de statistiques, simplement. Donc, ça ne va pas être très long, hein. Je vais aller à l'essentiel. C'était simplement pour vous informer que voilà, ce qu'on attendait est là et on a des énormes augmentations au niveau prise en charge mazout ainsi qu'au niveau des dépenses énergie. Donc, voilà, que ça suit le cours des augmentations des prix jusque maintenant. Et je voulais simplement parler également d'un autre problème qu'on rencontre suite à la crise, qui est celui-ci au niveau des services. Donc là, c'est l'évolution du nombre de repas livrés, par exemple. En 2020-2021, nous suivions une belle courbe. En 2022, ça diminue de plus en plus. Et pourtant, nous gardons le même nombre de clients. Simplement que les gens, pour l'instant, les clients préfèrent prendre un repas un jour sur deux et faire diminuer leurs factures. C'est vrai aussi pour le service d'aide ménagère qui devient vraiment un service de confort. Donc en bleu clair, ce sont les personnes qui prennent maintenant tous les 15 jours et en bleu foncé, les personnes qui prennent toutes les semaines. C'était l'inverse il y a 2 ans. Donc par contre, au niveau des aides familiales, là, c'est beaucoup plus indispensable comme service et donc c'est maintenu. Pour continuer, nous avons une forte augmentation également au niveau du service de médiation de dette. Ici, ce n'est pas flagrant, mais en bleu, c'est 2022. Ça ne représente que 9 mois sur l'année, alors qu'en vert, c'est l'entièreté de l'année 2021. Donc on envisage évidemment sur l'année complète d'avoir beaucoup plus de dossiers. Et alors ici, ça concerne le service IDES ouvrier pour la même chose, enfin le même constat qu'au niveau du service des repas. Autant de nouveaux clients. Autant de voire plus de prestations de demandes de prestations que l'année dernière, mais beaucoup moins d'heures facturées, beaucoup moins de recettes, puisque ce sont de toutes petites prestations. Et c'est la même chose pour la navette sociale sur le suivant. Beaucoup moins de kilomètres, mais pour autant de clients. Donc les gens vont à l'essentiel et ne vont que nous font les courses que strictement nécessaires. On peut avancer encore une fois. Merci. Par contre, là où on a un pic vraiment qui a très fortement augmenté, c'est la réinsertion socio-professionnelle, sachant que l'année 2021 n'est pas un très bon comparatif, puisqu'avec le Covid, on avait très peu remis à l'emploi et très peu en formation. Mais cette année, donc, ça a vraiment, vraiment bien réaugmenté.
Nous avons triplé les inscriptions en formation, les réorientations vers des contrats de travail, et nous avons également doublé le nombre de contrats article 60, voire plus. Nous comptons maintenir ces efforts-là et dans ce sens-là, pour ne pas avoir trop de demandes de revenus d'intégration et trop de suppléments à ce niveau. Et c'est dû à une réorganisation complète du service dans ce but-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Alice. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de vous être présenté de manière succincte? S'il n'y a pas de questions sur le rapport des synergies, il faut en profiter, non? Donc voilà, mais si pas, je remercie à nouveau Alice et Nathalie pour leur présentation. Je remercie à nouveau les conseillers de l'action sociale et on aura l'occasion de voter ce point, comme je l'ai dit précédemment, au Conseil communal de décembre. Je vous remercie tous et toutes. Vous pouvez rester avec nous, bien entendu, vous n'êtes pas obligé, mais dans le public, oui. Ça nous fera d'ailleurs un peu de public. Et alors, ne partez peut-être pas trop vite, parce qu'il y a un anniversaire ce soir, et je pense qu'un conseiller communal offre un verre. Non, c'est pas ça. Il offre, mais pas... Ah, juste la minorité en elle. La majorité n'est pas conviée. Donc, bon anniversaire, Frédéric. Alors, point 2. Procès verbal de la séance du 17 octobre 2022. Séance publique, approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Non? PV approuvé l'unanimité, merci. Point 3, questions orales. Est-ce que vous avez des questions orales? Pas de questions orales? Oh là là, on va battre des records, je le sens, mais un grand merci. Point 4, Jean-Marc. Vente de la chapelle de Janet, offre de M. Liebens, acceptation, Jean-Marc. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la procédure de mise en vente de la chapelle de Janet vient à son terme. Il nous restera donc une dernière et ultime démarche, celle d'approuver le projet d'acte de vente qui sera rédigé par l'étude notariale chargée de le faire. Mes chers collègues, c'est la première fois que le Conseil communal de la ville de Ciney procède à la désaffectation d'un lieu de culte. La procédure de mise en vente aura duré 2 ans. 1 an pour la procédure de désaffectation proprement dite et 1 an pour la mise en vente. C'est en effet, je tiens à vous le rappeler, le 19 octobre 2020 que notre conseil communal avait décidé de se prononcer favorablement à l'égard de la désaffectation de la chapelle de Janet, dite chapelle Saint-Médard, et ce, sur proposition de la fabrique d'église de Pessou. À cette époque, notre conseil communal avait précisé qu'en cas de désaffectation du bien, celui-ci soit consacré à des affectations bien précises, espace culturel, salle d'exposition, résidence service, bureau, etc. C'est finalement à cette dernière affectation que sera dédiée l'ancienne chapelle. Sans entrer dans trop de détails, je vous le promets, monsieur le bourgmestre, il faut rappeler que la demande de désacralisation ou désaffectation, c'est le mot exact, doit bien sûr être soumise à l'évêché qui transmet la demande au ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la ville de la région Wallonne. Celui-ci a pris l'arrêté de désaffectation en date du 1er juin 2021. En date du 6 septembre 2021, notre conseil communal a pu ainsi décider de la mise en vente qui vient de trouver son épilogue. Pour rappel, la construction de la chapelle de Janet, qui ne servait plus au culte depuis de nombreuses années, doit avoir, selon le cadastre, été érigée entre 1887 et 1888, et la première pierre du bâtiment aurait été bénite par le doyen Houba de Ciney le 15 mars 1887.
compte tenu du fait que s'il restait à l'abandon, le bâtiment risquait rapidement de se dégrader, de la mauvaise performance énergétique de celui-ci aussi, ainsi que de la nécessité d'importants travaux de restauration, la décision a donc été prise à l'époque d'aliéner le bien. Même si une telle décision n'est pas toujours facile à prendre, et compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer qu'il s'agissait là d'une sage décision de toute l'équipe et que celle-ci permettra en tout cas à l'ancienne chapelle de connaître ce qu'on pourrait appeler une nouvelle vie. J'ajouterai que dans ce dossier, l'avis du directeur financier est favorable. En conséquence, c'est pas négligeable. En conséquence, je vous propose d'accepter l'offre émise par M. René Libens pour l'achat de la chapelle de Janet, cadastrée Sinet, 2e division, Pessou, section C, numéro 160C, au prix de 130 000 euros. De charger les notaires de Clairefaille de rédiger le projet d'acte de vente à soumettre lors de notre prochain conseil communal, vraisemblablement. De leur demander également d'indiquer que dans le projet d'acte, que M. Libens devra affecter le bien à des bureaux et rien d'autre, et de transmettre notre décision à la fabrique d'église, au gouverneur de la province, ainsi qu'à l'évêché, que je remercie d'ailleurs pour sa bonne collaboration dans ce dossier. Voilà, Monsieur le Président. J'espère n'avoir pas été trop long. Merci Jean-Marc pour ces paroles. Jean-Marie veut intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, Jean-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ben, deux questions, Monsieur Deschevin. Je ne vais pas vous demander quand a été posée la deuxième pierre, ni l'âge du doyen au moment où celle-ci a été posée, rassurez-vous. Je ne doute pas que vous sauriez y répondre. Mais deux questions. Vous dites qu'il est intéressant de voir que cette procédure a pu être menée à son terme. Est-ce que vous envisagez pour d'autres bâtiments qui manifestement ne sont plus de beaucoup d'utilité au niveau du culte, d'entamer des procédures de désaffectation, de désacralisation, comme cela avait été promis à l'époque par M. le chanoine Huet, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, comme vous le savez. Donc c'est ma première question. Ma deuxième question, je pense avoir lu une interview de votre part, disant que vous regrettiez d'avoir mis des conditions aussi strictes quant à la vente de ce bâtiment, parce que je pense que, par exemple, il aurait pu servir de gîte sans qu'il y ait dénaturation de l'objet premier de la structure, pas y faire un dancing, pas en face du trébuchet, mais d'autres affectations étaient possibles, et je pense que le montant que nous avons là de 130 000 euros aurait pu être supérieur si on n'avait pas mis des conditions aussi restrictives. Mais voilà, c'est fait. On va voter, bien évidemment, mais je me permets de vous y rendre attentif pour l'avenir si ce type de procédure devait à nouveau être menée. Merci. Merci Jean-Marie. Est-ce que Jean-Marc, tu sais nous éclairer? Oui. Merci Jean-Marie pour ces deux questions. Autre bâtiment, dis-tu? Eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, nous avons été sollicités, Monsieur le Bourgmestre. Nous avons été sollicités par une fabrique d'église qui a émis le souhait que nous entamions la même procédure. Autrement dit, une procédure de désaffectation. Et pour tout vous dire, il n'y a encore rien de fait, rien du tout, mais je vous donne un scoop, si on veut. Je ne suis pas très angliciste, mais enfin. Donc, non. C'est la fabrique d'église d'Aversin qui a émis le souhait que l'église de Haide soit fasse l'objet d'une procédure de désaffectation. Donc, il y a eu quelques échanges de mails jusqu'à présent. Et donc, la fabrique, j'attends le procès-verbal de la fabrique d'église d'Aversin qui sollicite officiellement, mais déjà la trésorière m'a fait part du fait que effectivement, ils étaient candidats pour la désaffectation. J'ai déjà pris l'initiative, comme ça je suis proactif, de demander le titre de propriété
Et Madame la Directrice Générale a fait des démarches auprès des archives de l'État et nous sommes déjà en possession du titre de propriété de la chapelle de l'église pardon de Haide. Mais il faut l'accord de l'évêché, forcément, puisque seul l'évêché est apte à éventuellement désacraliser ou désaffecter. Ce sont des contraintes que l'on a, et dans le cadre d'éventuelles négociations avec l'évêché, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait tenir un listing? Nous avions, notre majorité, identifié un certain nombre de bâtiments qui manifestement ne servaient plus ou plus guère, en tout cas, au culte. Là, je vois que Mme Pearson vous donne la réponse. Je n'ai pas besoin qu'on me donne les réponses pour répondre. Mais donc Jean-Marc répondra aussi à la deuxième question. Mais je disais juste à Jean-Marc que je pouvais répondre au niveau des réunions supracommunales en disant que dans le cadre du bassin de vie et des réunions qui sont menées par le BEP, Siné a amené comme sujet de discussion la désacralisation des lieux de culte. Et donc, on avait une conférence prévue avec le BEP un vendredi il y a quelques jours. Elle était reportée à début 2023. Et donc, dans ce cadre-là, le BEP nous a demandé de faire un recensement des églises, des chapelles. Et à la suite de ça, on y verra un peu plus clair. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de liste de ce qu'on n'est prêt à vendre ou pas. Il faut déjà voir, tu le sais déjà, toutes les églises qui tiennent avec un cimetière sont pas vendables ou difficilement vendables, voilà, plus difficilement vendables. Et puis voilà, il y a quand même toute une série d'églises qui sont utilisées, donc on ne va pas se lancer dans une chasse à la vente à tout prix. Mais en tout cas, on saisit la balle au bon, on essaie d'optimaliser au mieux l'usage des édifices. Donc voilà, on va travailler dossier après dossier. Donc ici, on finalise celui-ci. Jean-Marc a déjà pris les devants dans le deuxième. Voilà, et puis il y aura peut-être d'ici quelques mois un listing, mais actuellement il n'en existe pas. Mais je vous remercie pour cette démarche proactive. J'ai été évidemment au courant de. Je ne vais pas vous cacher, j'étais quand même au courant de cette démarche au niveau du BEP. Et je pense qu'il faut s'orienter vers ça, de même qu'à l'heure actuelle, au niveau des économies énergétiques. Bien, l'évêché a pris quand même un certain nombre de dispositions en demandant que certaines églises ne soient plus chauffées et que les cérémonies soient rassemblées, qu'il n'y ait pas une messe avec 5 personnes le matin, une avec 10 l'après-midi, mais qu'on fasse une messe le dimanche. Voilà, mais la deuxième réponse, Jean-Marc. Donc pour ce qui concerne la deuxième question, Jean-Marie, effectivement, j'ai... fait part au journaliste qui m'a demandé, qui m'a interrogé à ce sujet-là, de mon regret de ne pas avoir donné un éventail un peu plus large pour les affectations. Bon, je ne dirais pas que c'est un PG de jeunesse, mais c'était mon premier dossier de désaffectation d'un lieu de culte, et que j'essayais avant tout de le mener à bien. Bon, je vous ai fait des propositions, je vous renvoie la balle. À vous, membres du Conseil, vous auriez pu, conditionnel passé, vous auriez pu me faire des propositions lorsque j'ai présenté le dossier, lorsque j'ai proposé des affectations possibles, vous auriez pu lever la main et dire « Monsieur Léchevin, pourquoi ne mettez-vous pas gîte? Pourquoi ne mettez-vous pas résidence home ?» Hein, on a mis résidence service. Pourquoi ne mettez-vous pas ci ou là? Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait une liste restrictive, c'est vrai, peut-être un peu trop, mais maintenant que je suis rodé, que je suis devenu le spécialiste de l'équipe du collège en matière de désaffectation, je verrai bien pour l'éventail qui pourrait éventuellement être proposé pour l'église de Haide, et peut-être qu'on pourrait l'élargir. Effectivement. Et pourquoi pas un gîte, bien sûr. Moi, je crois qu'un gîte, l'évêché ne verrait pas du tout d'objection. Ce n'est pas un dancing, ce n'est pas un café. Et là, je crois que l'évêché n'aurait pas marqué son accord. Mais pour un gîte, je suis convaincu que l'évêché marquerait son accord. Rassurez-vous, monsieur.
Je demandais tout simplement que pour l'avenir, on puisse réfléchir à l'ensemble de ces données, puisque ce dossier s'est passé, évidemment, et nous voterons pour. Merci. Hein. Sur cette bonne parole, j'ai envie de dire, donnez-vous la paix du Christ, mais je n'irai pas jusque-là. Est-ce que vous souhaitez un vote ou un signe de paix, oui. Non, unanimité, je vous remercie. Association, point 5, association culturelle et de loisirs, subsides, répartition, décision à prendre, Jean-Marc. Ah non, c'est moi. Laurence, pardon. Oui. Merci, Monsieur le Président. Vous avez sous les yeux la répartition des subsides aux associations culturelles. Une répartition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord en commission de l'Échevin et à laquelle vos représentants ont assisté, donc je les en remercie. Il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à la période avant Covid, je dirais, puisque celle-ci a un peu modifié les données. Ici, on revient à ce qui était avant la période Covid. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou c'est un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 6, chèque commerce, bonus, règlement, approbation. Anne. Voilà, donc vous connaissez le système des chèques commerce assignés qui sont en vigueur donc depuis 2015. C'est un système qui a son lot de supporters. Ça fonctionne plutôt bien, surtout en période de fin d'année. Donc l'objectif, c'est de maintenir des activités commerciales en centre-ville, de dynamiser le secteur du commerce assigné. Et donc, ça fait 2 ans qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, on décide de renforcer ce système des chèques bonus en offrant 10% supplémentaires du montant d'achat des chèques par tranche de 25 euros. Et donc, on vous demande si vous êtes encore OK pour approuver ce règlement qui est sensiblement le même que les 2 années précédentes à quelques virgules près. Merci Anne. Est-ce qu'il y a des questions ? François ? D'autres questions ? Non ? François, on t'écoute. Si je prends bien le dispositif, donc les 10% offerts sont à charge de la commune qui finance ce montant-là. Donc je peux déjà vous dire, en cohérence avec les fois précédentes, que nous on s'abstiendra sur ce point parce que les 10% financés par la commune, ça veut dire que tout le monde finalement paye pour quelques-uns. Alors évidemment, on est pour le soutien des commerces, mais le dispositif tel qu'il est présenté nous paraît inadapté. Ok, après tout le monde peut acheter des chèques commerce. Hein. Tous les ménages ont la possibilité d'avoir jusqu'à 20 euros de chèques commerce bonus. Après, on est bien conscient que tout le monde ne saisit pas l'opportunité. Et il faut savoir que le montant maximum alloué par la commune est fixé à 1250 euros. Et si ça peut aider à doper les ventes, ce qui était quand même le cas les 2 dernières années, on se dit que ça vaut la peine. Merci. À titre personnel, je trouve ça assez bizarre comme réflexion, parce que je me dis que c'est en quelque sorte une prime. Et la prime pour les langes lavables, la prime pour les composts, c'est aussi des primes qu'on ne donne pas à tout le monde. Et en fait, seul quelqu'un qui achète une compostière bénéficie de la prime de 25 euros, soit quelqu'un qui utilise les langes réutilisables bénéficie de la prime. Et donc ici, c'est quelqu'un qui achèterait des chèques pour faire vivre le commerce inassien qui aurait une prime. Donc voilà, je ne veux pas changer votre vote, mais je trouve ça assez bizarre. Mais voilà, je respecte bien entendu la position du groupe Écolo. Mais la différence, c'est que les primes qui sont faites pour orienter des choix, donc des choix politiques, donc orienter vers une politique qu'on soutient. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas acheter à Ciné. Évidemment, aller acheter à Ciné, mais il n'y a aucun critère pour choisir les commerces dans Ciné. Or, l'orientation d'une politique qui pourrait être soutenue, ce serait d'avoir des critères de sélection pour choisir des commerces locaux en circuit court, des choses comme ça. Mais distribuer des chèques à tout le monde pour tous les commerces, c'est quelque chose qui nous paraît inadapté. Mais voilà, je respecte votre choix aussi. Nous s'abstiendra donc. Ok, pas de souci. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. 20 oui, 3 abstentions. Point 7 et jusqu'au point 13 inclus. Donc c'est tous les ordres du jour d'Assemblée Générale. Donc c'est Guy qui va les apporter un par un. Et on vous demandera à chaque fois s'il y avait des questions ou si vous souhaitez un vote.
Guy, on t'écoute pour le point 7, Bureau économique de la province de Namur, Assemblée générale, ordinaire, ordre du jour, approbation. Monsieur le Bourgmestre, donc c'est pour l'Assemblée générale ordinaire convoquée le 20 décembre. Nos représentants sont le Bourgmestre, Jean-Marie Gaspard, Anne Fourneau, Benoît Danvin et Frédéric Bottin. On nous demande d'approuver le procès-verbal de l'ANGER du 21 juin, le plan stratégique 2023-2025 et le budget 2023. Merci. Jean-Marie a une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Jean-Marie ? Ce n'est pas une question, c'est une réflexion qui vaut pour tous les dossiers. Il est important qu'il y ait un représentant de la commune qui soit présent. J'ai vu l'année passée Joseph Joulon, je pense, aux assemblées générales, parce que nous ne sommes plus en période Covid, où il suffisait d'envoyer la délibération. Il faut maintenant qu'un représentant soit présent. Et comme nous avons des représentants différents des intercommunales, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de communes, on a désigné les mêmes représentants, ce qui veut dire que la même personne peut signer pour toutes les intercommunales. Je demanderai donc qu'on soit attentif dans la majorité à ce qu'un membre soit présent, sauf quand, par exemple, quand le BEP expansion, sauf quand je suis là, évidemment, ça ne me pose pas de problème. Merci Jean-Marie, nous y veillerons. Guy y veillera. Point 8. BEP expansion économique, Assemblée générale ordinaire, ordre du jour, approbation, Guy. Oui, toujours donc convoqué pour le 20 décembre, nous représentons son Gaëtan Gérard, votre serviteur, Joseph Jouan, Imré, Destiné et Jean-Marie Scheffer. On nous demande d'approuver le PV de l'AG du 21 juin, le plan stratégique 2023-2025, le projet de budget 2023. Le remboursement de parts détenues par Intradius et de désigner M. Pierre Elson en qualité d'administrateur représentant le groupe Province en remplaçant de Richard Fourneau et enfin de désigner Cécile Obdebec en qualité d'administratrice représentant le groupe Province au sein du CA de l'intercommunal en remplacement d'Isabelle Gingler. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 9. BEP Environnement, Assemblée générale ordinaire. Ordre du jour, approbation, Guy. Alors, toujours pour le 20 décembre, nos représentants sont le Bourgmestre, Anne Pearson, Laurence Daff, Caroline Magis et Marc Aymon. Nous demandons d'approuver le PV de l'AG du 21 juin, le plan stratégique 23-25 et le budget 2023. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 10, BEP Crématorium, Assemblée générale ordinaire, ordre du jour, approbation, Guy. Toujours pour le 20 décembre, nos représentants sont le Bourgmestre, Jean-Marc Gaspard, Anne Fourneau, Joseph Jouan et Cécile Clément. On demande d'approuver le PV de l'AG du 21 juin, le plan stratégique 23-25 et le budget 2023. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 11. BEP Crématorium, toujours, Assemblée générale extraordinaire, cette fois, ordre du jour, approbation, Guy. Oui, alors là, ici, nos représentants n'ont pas changé, ça va de soi. Et on nous demande maintenant d'approuver l'affiliation de la commune de Floreff à l'intercommunal par la souscription de 324 parts sociales 1 dans le capital pour un montant de 8 100 € à libérer à concurrence de 30% et d'approuver la modification de l'article 9 des structures et partitions du capital social de l'intercommunal. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 12, Assemblée générale ordinaire, ordre du jour, approbation, Guy. Donc ici, Chaline Ager, convoqué pour le 15 décembre, nos représentants sont Anne Pearson, Laurence Daff, Gaëtan Gérard, Benoît Davin et Quentin Gillet. On nous demande d'approuver le PV de l'AG du 23 juin, le plan stratégique 23-25 et le budget 2023. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 13. INACEP, Assemblée générale ordinaire, ordre du jour, approbation. Guy ? Oui, là, franchement, je ne connais pas nos représentants. Ils ne sont pas mentionnés dans le... Je ne les ai pas vus dans le dossier. Et on nous demande un vote un peu particulier, puisqu'on nous demande de voter chaque fois pour chaque point. Bon, puisqu'on nous le demande... Je propose de le faire, à moins que quelqu'un ait une remarque par rapport à ça. Je n'ai pas lu les attendus jusqu'au-dessus.
Mais est-ce que vous êtes d'accord de voter par, je ne sais pas moi, hein, le point 1, point 2, point 3, point 4? Est-ce que vous êtes d'accord pour tous les points? Et au niveau de la délibée, on mettra qu'il y a un vote pour chacun, mais on va pas. Ça va? Merci Guy pour ton esprit concis. Point 14. Leader 2023-2027, appel à projet, candidature, décision à prendre. Laurence. Merci Monsieur le Président. Alors rappelez-vous, les communes de Assé, Sinégève, Amois, Avlanges et Ohé ont créé en janvier 2021 l'association de projet Parc naturel Cœur de Condreau. Dans la foulée, les conseillers communaux de toutes ces communes ont émis un accord de principe de créer à l'avenir un seul GAL, donc un mariage entre le GAL Tigé-Chavet et le GAL Condreau-Famen, dans le but de rationaliser. Entre-temps, le 7 octobre 2022 est sorti l'appel à projet leader pour la période 2023-2027 et notre conseil communal a émis le souhait d'y répondre, tout comme d'ailleurs les autres communes avec lesquelles nous formons un territoire tout à fait en accord avec les critères d'éligibilité. Alors, pour élaborer le dossier de réponse à cet appel à projet leader, il est proposé de mandater le GAL Tigé-Chavet, qui travaillera en concertation, bien sûr, avec le GAL Condreau-Famen, et ce, dans l'attente de la création de la nouvelle ASBL, donc ce mariage dont je vous parlais juste avant. Pour ce travail, une contribution communale de chaque commune est demandée, une contribution qui s'élève à 2500 euros pour une enveloppe totale de 30 000. Il est à noter que les communes se sont déjà engagées dans le futur à prendre en charge les 10% des dépenses éligibles qui ne seront pas subventionnées par la région et l'Europe. Alors, sans plus attendre, il nous faut à présent créer un partenariat public-privé dont on vous en propose la composition, je ne vais pas la lire. Ensuite, il nous faudra valider la stratégie de développement local qui aura été rédigée par les deux GAL. Et tout ça pour permettre le dépôt officiel du dossier de candidature leader. Nous vous demandons donc de marquer votre accord sur les différents articles qui seront pris dans le projet de délibé. Dois-je les relire? C'est bon pour vous? Voilà. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'avais peut-être Frédéric et François. Non. Petite demande de précision. Donc, on a eu la présentation des GAL, on a eu la présentation faite par sa directrice. Et puis ici, c'est un projet leader. Qu'est-ce qui viendra réellement? Quels sont le type de projet que vous souhaiteriez soutenir? Puisque forcément, il y a toujours une quote-part communale. Est-ce que réellement on estime qu'il y a des projets très intéressants que vous souhaiteriez introduire dans ce cadre-là et qui pourrait justifier la quote-part forcément que nous allons apporter, qui est non subsidiée. Donc, si je comprends bien, ce seraient des projets supplémentaires à ce qui se fait dans le GAL ou pas? Ce sont principalement des... Non, on va repartir sur les mêmes bases, à vrai dire. Donc, travailler sur les mêmes thématiques, la mobilité, l'alimentation, etc. Mais les projets seront... se substituera à ce qui était développé jusqu'à présent dans les GAL. Ça remplacera les deux, ce GAL, enfin cette entité-là va remplacer les deux autres GAL, quoi, et fera les mêmes projets. François, tu as changé d'avis. Non, mais c'est juste pour apporter une précision, c'est effectivement la période de programmation actuelle arrive au terme, et donc plutôt que de redéposer deux candidatures pour les deux GAL séparément, la proposition ici c'est de redéposer une seule candidature pour les GAL pour l'ensemble du territoire. Si ce n'est qu'on nous avait expliqué que les parcs naturels étaient également la continuité des deux GAL. Et c'est là que je demande un peu une précision, puisque on a d'un côté les deux GAL qui effectivement terminent leur programmation. On nous avait présenté à un précédent conseil communal la volonté d'adhérer à la logique de parc, justement, comme une aubaine pour remplacer les deux programmations des GAL qui se terminaient. Puis maintenant, on nous parle de Leader Plus. Donc, est-ce que Leader va être donc quelque chose encore de différent, à la fois des deux GAL qui se terminent et du dossier parc naturel? C'est-à-dire que non, le Leader englobe en fait
Le tout. Ah non, non. En fait, il englobe les deux galles, en fait. Plutôt de rentrer chaque fois, chacun une candidature séparée, on rentre une candidature pour les deux galles. Les fonds leaders alimentent les galles. Donc les galles, c'est les structures qui sont obligatoirement mises en place pour pouvoir réceptionner les fonds leaders. Non, mais... Voilà. Non, mais j'entends bien, mais reconnaissez quand même, ou alors j'ai mal compris, que quand on nous a présenté le parc naturel, on avait repris toute une série d'actions qui étaient précédemment développées dans les galles, et on nous a, entre guillemets, vendu le parc naturel comme étant une opportunité pour retrouver du financement en remplacement de ce qui se menait dans les galles et qui allait se terminer. D'où mon interrogation, puisqu'aujourd'hui, en plus de l'éventuel engagement que la commune prendrait dans le financement du parc naturel, on revient avec quelque chose de supplémentaire et de nouveau, qui est le financement leader. Donc, d'un côté, on nous dit leader remplace les deux galles, mais on nous a vendu aussi que le parc naturel remplaçait les deux galles. Et donc, c'est là mon interrogation par rapport, d'un côté, à ce qu'on nous présente aujourd'hui, et de l'autre côté, aux explications qui nous ont été données par la directrice quant au parc naturel comme étant l'opportunité de trouver un financement alternatif aux galles qui ne le sont plus. En fait, leader ne remplace pas les deux galles. Tu dis toi-même que les mêmes actions que ce qui se menait dans les galles vont être menées dans le cadre du projet leader. Et on nous a dit exactement la même chose pour les parcs naturels. D'où mon interrogation. Ouais, je peux peut-être encore compléter, mais le parc naturel, ça va regrouper donc tout le territoire des deux galles actuelles, mais ça ne remplace pas les projets qui sont menés par les galles. Ça donne un financement structurel sur la durée et ça permet d'avoir du personnel engagé en permanence pour mener toute une série de projets. Et les projets GAL, ce sont financés par les fonds leaders, c'est la continuité des projets GAL déjà existants, mais qui prendront place dans le cadre du parc naturel. Et donc ce sont des financements complémentaires, et la structure de parc naturel permet d'avoir un levier plus important pour aller chercher des financements. Et peut-être que demain, on aura d'autres financements qui viendront soutenir des emplois et des actions structurés et accompagnés par le parc naturel avec des fonds qui viendront peut-être d'ailleurs. Donc, je vois pas. Enfin, pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Jean-Marie. Jean-Marie, tu voulais prendre la parole? Oui, brièvement, Monsieur Bourmès, parce qu'on va passer au vote. Je suis loin. Notre groupe est loin d'être convaincu par les explications de Deschvin, qui étaient assez bizarres et assez peu complètes. Elles ont été complétées par le bourgmestre et par le chef de groupe écolo. Nous étions abstenus en ce qui concerne le parc naturel. Nous allons nous abstenir aussi concernant cela, parce qu'il n'a pas été répondu de manière claire et précise aux interrogations de mon chef de groupe, indépendamment de ce qui a été dit par l'un et par l'autre. Et nous estimons qu'il va y avoir, si pas des doubles emplois, je veux bien le considérer, mais en tout cas des engagements financiers complémentaires aux engagements financiers qui sont pris au niveau du parc naturel. Donc abstention. Merci Jean-Marie. Je propose alors de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 18 oui, 5 abstentions. Je vous remercie. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le point que vous attendez tous, le point qui déplace les foules. D'ailleurs, il y a 4 personnes dans le public. C'est un sujet tendu, tout le monde est dans les starting blocks. Fabrique d'église de Konjou, point numéro 15, Konjou. Budget, exercice 2023, approbation, Guétan. Voilà, on avait parlé de Chapois qui était déjà un bel épisode la dernière fois. Et donc ici, on continue la saga avec la fabrique d'église de Konjou, donc le budget exercice 2023, qui a reçu en date du 7 octobre 2022 l'avis favorable du directeur financier. Donc ici, ce sont des recettes totales pour un montant de 31 626,92 et des dépenses totales du même montant. Merci Gaëtan. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Je vous propose de passer au point suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, Jean-Marie, nous t'écoutons. Vous connaissez mes interventions récurrentes en ce qui concerne cette fabrique d'église de Konjou. Je voudrais savoir si Deschvin, responsable des cultes, a préparé une réponse.
qu'elle me réponde si oui ou non. Elle a préparé une réponse. Et quelle est la question ? Mais que j'ai préparé ou non, je peux répondre. C'est ça qui est important. Que ma réponse soit spontanée ou soit préparée. Il y a un problème avec le micro, hein, parce qu'il faut repousser chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Puisque vous avez préparé une réponse, ou en tout cas vous me répondrez de façon spontanée, je renonce à ma question. On s'attendait à la chute. Moi, en tout cas, j'avais compris. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 16, ciné, adoption des documents portant instauration de la pension complémentaire en faveur des membres du personnel contractuel et de désignation d'un représentant à l'Assemblée générale du fonds de pension, Guy. Oui, donc, pour rappel, en date du 5 septembre 2022, nous avons décidé d'adhérer à la centrale d'achat du service fédéral des pensions en vue donc de la poursuite d'un deuxième pilier de pension, puisque Belfius, il y a... non, mais nous avons fait... Comment ? Belfius et Etias ont abandonné. Voilà, ont abandonné. Donc ils nous ont fait savoir qu'ils abandonnaient. Donc pendant un an, on a été un peu à la recherche de solutions qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes. Les communes étaient un peu désemparées. Donc c'est ainsi que nous sommes passés par le marché qui allait lancer le service des pensions. Et on nous demande aujourd'hui d'approuver alors le règlement de pension, le plan de financement du régime de pension du second pilier en faveur des membres du personnel contractuel d'un pouvoir local, la convention de gestion, la politique d'investissement, le règlement d'assurance de groupe pour structure d'accueil, la convention cadre d'assurance de rente viagère, les statuts de l'organisme de financement des pensions et Etias Pension Fund. Et enfin, de désigner Kathleen Degras du service GRH pour représenter la ville à l'AG d'Etias Pension Fund, puisque dans les courriers qui nous ont adressés, ils nous ont demandé de désigner un représentant. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Frédéric, est-ce qu'il y en a d'autres ? Non ? Frédéric, on t'écoute. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Légevin pour ce point. Bah, c'est évidemment une solution heureuse qu'un nouveau marché public ait pu être conclu à l'échelle de l'ensemble des communes et qu'on ait comme ça une solution pour continuer ces pensions complémentaires qui, pour rappel, visaient à corriger tant que possible la différence de pension qui existera entre un agent statutaire et un agent contractuel. À l'époque où nous avions initié cette démarche de pension complémentaire, il y a eu une réflexion de l'étendre également de façon volontaire pour certaines SBL paracommunales, puisque vous le savez, à l'intérieur de certaines régies ou de certaines SBL, le personnel sous payroll communal, sur payroll de l'ASBL ou de la régie, bah, se confondent et travaillent au quotidien ensemble. Et je voulais savoir si ce nouveau règlement permettait la chose, puisque à l'époque, on pouvait effectivement y adhérer de façon complémentaire pour nos ASBL ou nos régies, et si les choses sont possibles, si le collège avait déjà pris une attitude. Bien entendu, il y aura l'autonomie de décision des ASBL, mais on sait qu'il y avait généralement une inflexion du collège par rapport à cela. Donc, autrement dit, ceux qui l'avaient débuté sous l'ancien régime pourront-ils le continuer dans les régies ou les ASBL ? Merci. Merci Frédéric. Guy ? Mais d'après ce que notre échelle des finances me dit, il y a actuellement la régie qui a souscrit. Et pour le reste, moi je n'ai aucune information selon laquelle une association aurait aussi le souhait actuellement d'adhérer au système. À moins que quelqu'un ici qui est dans une des associations ne soit au courant, parce qu'ici il est dans un DCA. Mais et il y en avait d'autres qui l'avaient initié, je pense, à l'époque, même au niveau du CPS, certaines SBL paracommunales avaient également adhéré. Donc, si vous pouviez peut-être faire le point de la situation et me répondre par rapport à la situation de ceux qui avaient effectivement adhéré au précédent marché, et de voir s'il y a une continuité ou pas, ou en tout cas si l'organe d'administration de ces entités s'est penché sur la chose. Merci.
Ok. On leur communiquera en tout cas l'information à tous ceux qui avaient adhéré au premier appel à projet. Premier marché public, pardon. Ok, est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 17. Ciné, ASBL, GIG, adhésion à la centrale d'achat et au marché pour le recensement des éléments de varie communale par mobile mapping. Décision à prendre, Anne. Donc, merci. Donc, l'ASBL GIG propose différents services aux pouvoirs locaux. Donc, il y a notamment GIGUAL, c'est un programme qu'on utilise ici au quotidien pour avoir des infos par rapport au cadastre, à l'égouttage. Donc, il propose aussi trois applications principales donc en matière d'urbanisme, de cimetière et de voirie. Alors, au niveau voirie, pour que l'application soit la plus efficace possible, il considère qu'il est indispensable de pouvoir réaliser un premier inventaire des voiries communales. Et donc, les provinces, vu leurs moyens financiers, ne savent pas faire nécessairement ce travail-là. Et donc, GIG ou GIG, je ne sais pas comment on doit dire, a décidé de lancer une centrale d'achat pour les membres dont Ciné fait partie afin de réaliser ces états initiaux de nos voiries. Et donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'adhérer à la centrale d'achat, de notifier la présente délibération à l'ASBL et de charger le collège communal de l'exécution de la présente décision, en sachant évidemment qu'on ne s'engage à aucune dépense, puisque c'est simplement adhérer à la centrale d'achat. Merci Anne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Unanimité? Merci, je vous remercie. Point 18, vente de produits forestiers et bois de chauffage 2022, exercice 2023, catalogue dressé par le département de la nature et des forêts, approbation Jean-Marc. Oui, merci monsieur le président. Le département nature et forêts nous a proposé une vente de bois de chauffage pour une valeur totale estimée à 7 850 €. Il s'agit de 29 lots répartis dans le catalogue, donc principalement des chênes, des hêtres, des frênes, des feuillus divers, du merisier et du bouleau. Ces lots sont situés au bois des Cresses, Albas et au bois du Banc. La vente est par ailleurs fixée au lundi 19 décembre pour les amateurs à 18h à la salle Cécoco. Je vous propose d'approuver le catalogue et les conditions de vente qui étaient jointes au dossier de ces coupes de bois. Voilà, merci monsieur le président. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Marie, sur les essences de bois? Non, parce que Jean-Marc Gaspard a une très bonne connaissance des choses, donc je ne vais pas lui poser une question dont je connais la réponse. Mais je pose quand même une autre question. L'estimation ici, c'est une estimation du DNF pour des 7 850 €. Parce que vous savez que stère de bois, à l'heure actuelle, non pas le bois sur pied, parce qu'il faut faire tout le travail, le façonner, le couper à bûche et puis alors éventuellement le livrer à l'acheteur, le prix du stère de bois a explosé, véritablement explosé. Je regardais un reportage en France dernièrement où le stère de bois se vend à 160 €. 160 €. Ici, en Belgique, on est à des prix de 50 €, c'est passé à 60-70 et actuellement c'est du 90 €. 90 € de stère de bois. Donc je me permets d'attirer votre attention parce qu'il me paraît que l'estimation est faible de la part du DNF. C'est une vente, effectivement, on est soumis aux offres qui seront faites par les acheteurs, mais si vous n'avez pas un montant supérieur, je vous propose de retirer de la vente parce que vous aurez des amateurs à un moment donné. Vous savez, il y a vraiment de l'argent qui traîne et à se faire à ce niveau-là. Voilà. Merci Jean-Marie. Jean-Marc? Oui, Jean-Marie, tu as parfaitement raison. J'ai d'ailleurs sous les yeux un article qui est paru dans l'Avenir d'aujourd'hui, dans l'édition WeWarem, où on parle d'une vente de bois qui s'est passée à Clavier la semaine dernière. Et le mètre cube, en moyenne, a été vendu à 46 €. Alors que l'année dernière, le prix de vente s'élevait à 18 €. Donc le prix est 2,5 fois plus élevé cette année. Et on a constaté un engouement beaucoup plus important qu'auparavant, comme tu viens de le dire.
Il y avait bien deux fois plus de monde que l'année dernière, dit le responsable du DNF. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'estimation est peut-être un peu basse et la vente amènera peut-être plus de particuliers, puisque c'est une vente d'abord aux habitants de Siné, puis étendue pour ce qui concerne le deuxième tour. Mais effectivement, je crois que l'estimation est basse. Et nous verrons à l'usage le 18 décembre à 18h, le 19, pardon, à la salle Seikoko. Merci Jean-Marie, merci Jean-Marc. Est-ce que vous souhaitez un vote ? Unanimité, je vous remercie. Point 19, pôle territorial Namur, Ciné les Forges, le parc, convention Resort, approbation Laurence. Merci Monsieur le Président. Vous savez qu'il existe dorénavant un pôle territorial au sein des Forges, c'est-à-dire un centre ou un siège qui rassemble du personnel expérimenté. Un personnel expérimenté qui va avoir la lourde tâche de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans leur mission de prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Vous avez tous entendu parler d'école inclusive, je suppose. Alors, pour créer ce pôle, il fallait pouvoir s'associer avec suffisamment d'écoles et atteindre le nombre de 12 300 élèves qui seraient en quelque sorte rattaché à ce qu'on appelle l'école siège, donc l'école des Forges. Eh bien, ces écoles, nous avons pu les convaincre, en tout cas les PO, nous avons pu les convaincre de nous rejoindre et il faut à présent formaliser le partenariat entre l'école siège, c'est-à-dire les Forges, et les écoles via une convention, en tout cas, je dirais entre l'école des Forges et les PO. Donc, il y a deux sortes de conventions. Au point 19, vous avez la convention Ressort. C'est une convention, en fait, qui lie l'école siège, donc l'école des Forges, avec les PO, des écoles du même PO. Autrement dit, cette convention Ressort, elle concerne l'Étincelle, Lénion et ses implantations, Hachène et ses implantations, Ciné et ses implantations. Ça, c'est le premier type de convention. Si je peux passer au second type de convention, c'est le point 20, en fait. C'est la convention de coopération. C'est la coopération. Ça ne va pas ? On ne peut pas ? Si, va jusqu'à la fin. On ne peut pas passer d'un point à l'autre. Non, on fait tout, on fait la MB, vas-y. D'accord. Donc le point 20, donc c'est la convention de coopération, c'est la convention entre l'école siège et les écoles qui ne font pas partie du même PO. Pour votre information, ces écoles font partie des PO des communes suivantes, en EAS, Beaurain, Dinan, Douache, Floraine, Gève, Amois, Astières, Avelanches, Houillet, Métay, Namur. Nous avons également Rochefort, Sambreville, Sommeleuse, Onhé, la province de Namur, l'ASBL, Les Petits Chemins et Ivoire. Merci Laurence. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions sur les deux points, puis on passera alors au vote point par point. Donc Jean-Marie, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, Jean-Marie, on t'écoute. Eh bien, puisque l'Echefid ne le fait pas, je me remercie moi-même d'être intervenu de manière pour que celle-ci accepte de faire partie de ce pôle territorial en prenant comme école siège les Forges, puisque il y avait des tentatives d'un autre bourgmestre, bien connu de la province, de faire en sorte que ce soit rattaché à Namur. Et nous sommes parvenus au niveau de la province de Namur, malgré l'importance des conseillers provinciaux namurois au sein du conseil, à faire en sorte que ce dossier arrive dans le sud et soit rattaché à cette école qui m'a toujours tenu à cœur, comme vous le savez. Mais alors, Monsieur Schaeffer oublie que je l'ai déjà remercié par le passé. Je ne vais pas le remercier chaque fois que je vais parler des pôles territoriaux. Chacun son égo, hein. Allez, on mettrait une statue, Jean-Marie, on mettrait une statue. Une statue ou un nom de rue. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais si vous n'aviez pas eu la province de Namur, vous ne saviez pas. Nous en sommes bien conscients. Et M. Schaeffer, et par écrit, peut-être moins formellement, mais
J'ai déjà remercié, je sais, le qui de droit, oui, à la province. Merci. Bon, est-ce que vous souhaitez un vote sur le point 19? Non, unanimité. Est-ce que vous souhaitez un vote sur le point 20? Non, unanimité, je vous remercie. Alors, 21, 22, 23, ils vont vous être apportés. Ici, c'était convenu à l'avance, ensemble par Nathalie Constant, et on fera chacun des votes séparément. Et Nathalie a été responsable de l'introduction des dossiers au niveau des demandes de subsides, et en l'absence de Séverine, ben, c'est elle qui connaît le mieux les dossiers, puisqu'elle s'occupait également de ça avant d'être directrice générale, et donc c'est elle qui vous rapporte les 3 points. Donc, comme vous le savez, un nouveau plan Cigogne a été lancé. L'objectif de ce plan Cigogne est de créer des crèches ou en tout cas d'augmenter la capacité d'accueil dans les crèches existantes. Et donc, il faut savoir que pour créer une crèche, il y a un minimum de place qui est exigé et qui correspond à 14 enfants équivalents temps plein, enfants âgés de 0 à 3 ans. Pour toute augmentation de la capacité d'accueil des crèches, là c'est par multiple de 7, donc c'est passé de 14 à 21, 21 à 28, etc. Ici sur la table, il y a 3 dossiers que l'on souhaite entrer dans le cadre du plan Cigogne. Le premier dossier consiste en création d'une crèche rue d'Omalius sur un terrain dont la ville est devenue propriétaire, et c'est un terrain situé juste à côté de la seigneurie d'Omalius, la polyclinique. Et le dossier consisterait donc à créer une crèche pour 21 enfants équivalents temps plein. Et ici, pour pouvoir introduire le dossier, on doit rentrer une demande de subside infrastructure. Alors les travaux envisagés pour créer cette crèche, je n'ai pas mis le montant dans les délibés, mais donc je vais vous les communiquer. Pour la création de la crèche, je ne me mélange pas les pinceaux, parce que c'est ça. Donc le montant estimé des travaux TVA compris s'est fixé à 572 506 euros. La part qui serait subventionnée par la région Wallonne et l'ONE s'élève à 80% de ce montant-là, donc ça nous ferait un subside de 458 004 euros. Et donc les 20% restants seraient à charge de la ville de Sinet. Ça représente donc une dépense de 114 501 euros. L'autre dossier consiste à transformer un milieu d'accueil qui est un co-accueil qui est situé rue Walter-Sœur, juste derrière la section L'Envol de l'école Les Forges. L'opérateur ici, le gestionnaire de ce milieu d'accueil, c'est la SBL Les Arsouilles. Et donc actuellement, ils peuvent accueillir 8 enfants équivalents temps plein. Et le souhait, c'est de pouvoir augmenter cette capacité d'accueil et de passer à 14 équivalents temps plein, donc de transformer le co-accueil en crèche. Alors, si les Arsouilles, au terme d'un marché public, ont été désignées pour gérer l'infrastructure, il n'empêche qu'elle n'est pas propriétaire du bâtiment, c'est la ville de Sinet. Donc, la ville souhaiterait pouvoir entrer de nouveau un deuxième dossier de subside à l'infrastructure. Et là, en fait, les aménagements consisteraient à aménager un local supplémentaire, mais également à aménager les accès à ce milieu d'accueil, ainsi que de créer un espace extérieur, une cour, avec au vent. Le coût estimé des travaux s'élève à la somme de 42 948 euros. Le subside de 80% s'élèverait donc à 34 358 euros et la part communale 8 599 euros. Et enfin, le troisième dossier est un peu plus spécifique dans le sens où là, la ville n'introduit aucun dossier. C'est en fait l'ASB La SIDAC, pour rappel. L'ASB La SIDAC gère déjà 2 milieux d'accueil sur le territoire de la commune de Sinet. Les Canailloux, donc la crèche qui accueille 28 équivalents temps plein au parc Saint-Roch, et la crèche à petits pas à Versin qui actuellement accueille 15 équivalents temps plein. Et l'ASB La SIDAC a souhaité augmenter cette capacité d'accueil de la crèche à petits pas à Versin est passé à 21 équivalents temps plein. Mais alors, en son temps, lors de la création de ce milieu d'accueil, je crois que ça remontait en 2006, on avait signé un bail emphytéotique avec la SBL à SIDAC, mais qui ne portait que sur une partie du bâtiment. Ici, on va devoir mettre des nouveaux locaux à disposition et aménager ces locaux. Et donc, la région Wallonne souhaiterait dès lors qu'on modifie le bail emphytéotique de façon à ce que la SBL à SIDAC puisse prouver, à défaut d'être propriétaire, qu'elle a au moins un droit réel sur le bien. Donc ici, plutôt que de faire un avenant au bail emphytéotique, par facilité pour la lecture du bail, on vous propose un nouveau bail qui tient compte de ces deux locaux supplémentaires
et on en a profité pour revoir la durée du bail emphytéotique qui va, si je ne m'abuse, jusqu'en 2060. Merci Nathalie. Et donc, ben voilà, comme vous voyez, on est quand même, on se montre ambitieux. On espère que nos trois dossiers seront retenus. Un, c'est déjà bien. Deux, ça serait encore mieux. Et trois, ça serait l'idéal. Il y a un besoin criant de places d'accueil au niveau de Ciné. Je pense que dans d'autres communes aussi. Mais en tout cas, ben, en rentrant en trois dossiers, ben, on se positionne. On met, je pense, un geste fort. On montre une volonté au niveau du collège et on l'espère du conseil communal pour faire... attirer l'attention, en tout cas, au niveau des pouvoirs subsidiants sur la problématique au niveau de Ciné. Est-ce que vous avez des questions? On me glisse après dans l'oreillette. C'est très important. Nous avons eu trois avis de légalité favorable du directeur financier. Il faut toujours le signaler par les temps qui courent. Ça, quand même, c'est effectivement... Donc, merci, Nathalie, d'avoir insisté sur ce point ô combien important qui pourrait déterminer l'issue du vote. Est-ce que vous avez bon des projet, questions, Monsieur le Bourgmestre. Félicitations à la majorité. Merci. On a les fleurs. Est-ce qu'on va avoir le pot? Non. On reste avec les fleurs. C'est parfait. Un grand merci. Est-ce que vous souhaitez un vote sur ces trois points? Unanimité. Et alors nous arrivons déjà, et c'est un record, au dernier point de l'ordre du jour du Conseil communal, vu qu'il n'y a pas de questions. Point 24. CPS, modification budgétaire numéro 2, exercice 2022, approbation. Gaëtan va vous rapporter cette modification en l'absence de Séverine. Donc voilà, donc je remercie Séverine et ses différents services. Comme on l'a dit tout à l'heure, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes qui œuvrent autour du CPS parce que c'est on va dire un niveau de pouvoir vraiment très délicat, comme on l'a dit, qui œuvre dans la pénombre, mais qui font vraiment un boulot vraiment très important. Et donc ici, Séverine m'a demandé de vous relayer différents points d'attention par rapport à cet MB. Et là, je vais peut-être ajouter une petite chose par rapport, bien sûr, aux finances communales. Et le CPAS est touché, comme l'ensemble des communes de Wallonie et en Belgique, par bien sûr les indexations salariales, par la hausse de l'énergie, la hausse des consommables, mais également aussi l'indexation à leur niveau des RIS qui les touche fortement. Et donc ici, de réaliser tant les modifications budgétaires que les budgets, ce sont de véritables victoires. Au niveau donc de cette présentation, au niveau du service ordinaire, je vous dis, les nuages s'amoncellent quand même au niveau des différents CPAS, que ce soit à Ciné ou ailleurs. Mais ici, déjà, au niveau de l'année 2022, on voit au service ordinaire un déficit de 147 661 euros. Ce déficit est principalement dû, comme je vous l'ai dit, aux nombreuses indexations de salaire et également ici, pour les CPAS, des revenus d'intégration. Le projet du CPAS, comme on vous l'a dit lors de la présentation ici conjointe Ville-CPAS, est d'augmenter fortement le nombre de contrats article 60 afin de faire diminuer les dépenses au niveau des RIS et favoriser au maximum la réinsertion socio-professionnelle, mais qui engendre en parallèle une augmentation au niveau des frais de médecine de travail et également au niveau des chèques repas. Ce que l'on peut voir aussi, un autre point d'attention, est au niveau des frais de gestion informatique, où là, il y a eu une augmentation cette année suite à différentes pannes et également un piratage qui engendrait des frais supplémentaires imprévus au début de l'année. Une augmentation également des frais d'assistance juridique est apportée, vu également l'abonnement de chaque assistant social au service de droit quotidien, vu les spécificités rencontrées ces dernières années et les cas beaucoup plus complexe suivi à cause des différentes crises successives. Au niveau des aides sociales, ce sont les frais pharmaceutiques qui ont été revus à la hausse, ainsi que les aides pour les charges locatives suite à l'augmentation des prix de l'énergie. En recette, plusieurs subsides ont été majorés suite aux excellentes inspections et grâce également à une gestion globalement optimisée au niveau des différentes équipes et également cela, on l'avait voté lors de la dernière MB au niveau communal, c'était d'attribuer une dotation complémentaire et supplémentaire de 50 000 euros de la part de la commune et le solde au niveau de ce déficit, on va dire, de 147 000 euros a été prélevé sur le fonds de réserve ordinaire. Au niveau du service extraordinaire, ici, il y a un crédit qui était affecté à la rénovation du terrain de pétanque
a été diminué fortement en vue de le faire réaliser par le service IDES, donc en régie avec les moyens du bord, comme on peut dire. Mais une majoration a dû être effectuée au niveau de l'immeuble du Clos de l'Ermitage, vu différents travaux qui ont dû être réalisés sur l'ascenseur qui, m'a-t-on dit, fonctionne de façon presque permanente. Et donc, cette majoration a fait l'objet d'un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. Donc, je vous demande d'approuver cette modification budgétaire à l'exercice 2022, numéro 2 du CPS. Merci, Gaëtan. S'il y a des questions, Jean-Marie, Frédéric? Non, Jean-Marie et puis Frédéric. Oui, M. Gourmès, merci. C'est Frédéric qui va évidemment intervenir sur des aspects techniques de cette modification budgétaire et vous posera des questions ad hoc. Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée. J'ai appris par vous, M. de Bourgmestre, tardivement vendredi dernier, le vendredi avant encore, que Séverine avait connu des ennuis de santé importants, les mêmes ennuis de santé que ceux que j'ai moi connu aussi à l'époque en 2000. Je lui ai envoyé un petit SMS en lui souhaitant prompt rétablissement, mais je tiens ici, au nom du groupe MR, tant du conseil communal que du CPS, de lui exprimer officiellement toute notre sympathie et en lui souhaitant également les mêmes voeux de prompt rétablissement. À titre personnel, j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime pour Séverine, tout comme pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Je ne peux pas du tout, il faut que je laisse planer quand même un certain doute. Et je ne citerai pas de nom, voilà. Cela étant, tu m'as dit, Frédéric, que Séverine avait été perturbée par un post Facebook de Cécile Clément concernant l'indexation des loyers. Je tiens tout d'abord à te dire, et je te l'ai dit, qu'il ne faut pas... D'accord. Mais j'en profite justement de cette occasion parce qu'on est dans une modification budgétaire avec augmentation des recettes. Et puis, c'est pas lui qui a la présidence. Hein. Oui, bien sûr. Je remarque que maintenant, vous ne vous contentez plus d'appuyer les thèses du collège, vous substituez au bourgmestre. C'est bien, mais c'est prémonitoire. Attention. Je peux m'en aller, hein, si vous voulez. Non. Comme j'ai eu l'occasion de te le dire, et je viens de répéter toute l'estime que j'avais et que nous avons pour Séverine, il ne faut pas penser que quand la minorité intervient sur un point, on série spécialement la personne en disant qu'on en veut à telle ou telle personne. Ce n'est pas ça. Vous avez des projets, nous avons des interprétations différentes, c'est vous qui êtes à la manœuvre, vous faites passer vos projets, c'est tout à fait normal, mais l'opposition peut quand même faire connaître son avis. J'ai été interpellé, et voilà le sujet, monsieur le chef de groupe écolo qui ne m'écoute pas, voilà donc le sujet. J'ai été interpellé lors de la présentation par la directrice générale faisant fonction du CPS, non pas des synergies tantôt, mais des réalisations au niveau du CPS, par le fait qu'elle ait dit, à l'heure actuelle, plusieurs personnes renoncent à un repas sur deux dans les repas chauds. Ce qui veut dire, mais personne n'en doute, je suppose, que les temps sont durs, que des personnes défavorisées trinquent, et trinquent beaucoup, et que nous estimions, même si l'indexation des loyers a toujours été pratiquée, que nous estimions par les temps qui courent que l'on aurait pu se passer d'appliquer, ce n'est pas obligatoire, se passer d'appliquer cette indexation des loyers. C'était la raison pour laquelle nous étions intervenus et nous avions même dit que si cela avait posé des problèmes au niveau des recettes, de la diminution de recettes, que pour une fois on aurait voté une participation complémentaire de la commune parce que la fin justifiait les moyens. Vous savez aussi que le gouvernement régional a pris des dispositions en disant que l'indexation des loyers pouvait se faire à plein pot pour les certificats énergétiques ABC. 75% pour D, 50% pour E, et pas d'indexation pour les certificats F et G, considérés comme des passoires énergétiques. Le CPS n'est pas soumis à cette obligation d'avoir des PEB, qui est une obligation pour tous les propriétaires privés.
au niveau public, ce n'est pas une obligation et il n'y a donc pas de PEB. Eh bien, je vous garantis, je vous fiche un billet de 500 euros, que si on devait faire une analyse énergétique des logements du CPS, vous seriez dans l'hypothèse F ou G en passoire énergétique ne permettant pas l'indexation. Cela justifiait d'autant plus, me semble-t-il, notre demande. Donc voilà, c'est fait. Nous avons fait part de notre position. Peut-être qu'à l'avenir, écoutez, la situation elle est dramatique. Je suppose que tout le monde en est conscient. Elle est dramatique pour l'ensemble de la population, mais pour les publics défavorisés, même s'ils bénéficient du tarif social au niveau énergétique, joindre les deux bouts à l'heure actuelle devient vraiment, vraiment une préoccupation majeure. Voilà, si vous pouvez le répercuter à Cyrine tout en lui retirant toute notre amitié malgré cette intervention. Frédéric va intervenir maintenant. Merci Jean-Marie. Et peut-être avant de céder la parole à Frédéric ou même à Gaëtan pour déjà répondre peut-être sur cette intervention-là, je ne vais pas me faire le porte-parole de Séverine parce que je ne sais pas ce qu'elle pense, même si on en a parlé beaucoup assez bien tous les deux. Bien entendu que l'opposition a le droit de faire valoir ses arguments, a le droit d'en parler. D'ailleurs, je ne pense pas qu'en tant que président de séance, j'ai souvent coupé la parole. Je pense que j'ai peut-être même laissé souvent les débats. Maintenant, le problème ici, c'est la manière. Et donc, quand tu dis on n'a pas répondu favorablement à notre demande, il n'y a pas eu de demande. Il y a eu un post Facebook incendiaire pour créer une polémique, pour avoir un petit peu de visibilité, pour avoir un petit peu de, oui, peut-être, je sais pas, un petit peu un coup d'ego. Le lendemain, la présidente du CPS se lève à 7h du matin et son GSM sonne jusqu'à midi. Et donc, la manière, quand on a une demande à faire, je trouve que ce n'est pas celle-là. En tout cas, moi, quand quelqu'un me demande ou m'allume sur les réseaux sociaux, je ne suis pas spécialement enclin à lui répondre favorablement. Et donc, si la demande était venue ici, ou mieux encore, au Conseil de l'Action Sociale, parce que pour rappel, vous avez trois conseillers de l'Action Sociale, qui sont d'ailleurs très coopératifs, hein, donc je ne remets pas en cause leur travail, mais le débat, il aurait dû être là-bas. Et le débat, il est là-bas sur une page Facebook pour essayer de créer un buzz. Et donc, que la demande soit ait un bien fondé ou n'en est pas, ça, c'est pas à moi en juger, il y a un président du CPS, il y a un Conseil de l'Action Sociale. Moi, ce que je regrette juste, c'est que le débat, il n'ait pas eu lieu là-bas ou au pire ici. Mais en tout cas, aller le jeter un pavé comme ça dans la mare, je trouve ça tout à fait inadéquat, inapproprié, blessant, sans fondement. Et donc, c'est en quelque sorte du populisme pour moi. Allez, je dois défendre ici Cécile Clément qui serait intervenue sur le sujet si elle n'avait pas été retenue par des obligations professionnelles. Et ça n'aurait plus été d'actualité lorsqu'on votera le mois prochain le budget du CPS, puisque je tenais tout d'abord... Le début de mon intervention, c'était cela, à réitérer tous mes voeux de prompt rétablissement à Séverine. Cela étant, le spécialiste de la communication que vous êtes et qui communique beaucoup par Facebook, ne va quand même pas reprocher maintenant à un membre de la minorité de faire un post Facebook à partir du moment où une décision est prise. Elle était prise, on ne savait pas venir devant ce conseil communal, qui n'est d'ailleurs pas habilité à le faire, pour tenter qu'une autre décision dans une voie différente soit actualisée. Tout simplement ici, mon intervention a pour but d'attirer l'attention sur le fait que les publics défavorisés trinquent pour l'instant et qu'il faut en être conscient, notamment dans de futures interventions qui peuvent être le fait du CPS dans d'autres domaines, et sachant qu'à ce niveau, nous vous soutiendrons complètement dans le cadre de fonds complémentaires à allouer au CPS. Merci Jean-Marie. Gaëtan. Je voulais intervenir également par rapport à cela, parce qu'il y a deux choses qui sont quand même importantes à dire. On a parlé que la région a installé cette nouvelle règle avec le PEB, mais il faut se dire aussi que ici, c'est bien sûr les tranches de la population les plus touchées, c'est bien sûr les plus paupérisées, c'est les personnes qui émargent au CPS, etc. Mais c'est également notre classe moyenne qui est particulièrement touchée. Donc, dans ce cas-ci, si on veut vraiment, il devrait y avoir aussi des réactions de la part du pouvoir régional pour aider un peu l'ensemble, finalement, de nos institutions. Autre chose, et j'aimerais bien le rappeler par rapport aux deux bâtiments du CPS. Ici, les deux bâtiments, c'est les différents locataires, ne sont pas forcément les personnes qui émargent
au CPS. Même, je vais vous dire, sur les différentes personnes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ici, les seules conditions pour pouvoir avoir accès à ces appartements, c'est d'avoir 60 ans et de ne plus être propriétaire ou de ne pas être propriétaire. Et donc, il y a parfois même certains locataires et tout qui ont des pensions honnêtes, etc. Donc là, moi, je pense qu'il faut vraiment alors cibler, c'est pour ça que je veux jouer sur le pouvoir régional, de voir par rapport à ces populations-là, de dire, voilà, on arrête partout les indexations. Ben voilà, ça, c'est un autre débat. Mais également, ce que je dois dire, c'est que même les locataires qui sont là et qui sont en difficulté, ils peuvent aller vers le CPS pour demander des aides complémentaires, etc., une assistance sociale, etc. Donc là, il y a des possibilités également par rapport aux situations qui vont devenir, et comme tu l'as dit justement, de plus en plus difficiles, ils peuvent aller vers ça. Également, ben, indexer l'ensemble ou d'arrêter les indexations, de changer l'indexation par rapport aux différents locataires, c'est vraiment très difficile par rapport à eux. Également, une chose au niveau énergétique, et votre majorité l'a fait, la majorité précédente et notre majorité le fait, c'est de travailler également à une meilleure qualité énergétique des bâtiments. Le bâtiment numéro 1 a eu vraiment de travaux pour plus de 1 million d'euros qui ont été effectués pour améliorer par rapport à ça. Donc, et en plus, les bâtiments sont mis à des tarifs de location quand même très raisonnables depuis de nombreuses années. Et à côté, il faut se dire aussi que par rapport à d'autres personnes qui sont dans le privé, etc., ils reçoivent des services de la part de personnel du CPAS, ou quand il y a une lampe qui pose problème, etc., dans la journée, le problème est résolu. Également, pas pour l'ascenseur, hein. Il n'a pas été résolu dans la journée. Ça, donc, comment, ouais, ça demande plus d'une intervention d'une société, et ce n'est pas évident. Mais également, on m'a encore cité un exemple aujourd'hui, où il y a une personne qui, tous les jours, pour aider les personnes, fait le tri de leurs poubelles, etc., qui sont jetées, parce que, bien souvent, le tri était mal fait, etc. Donc, il y a vraiment une aide, un accompagnement qui est fait au jour le jour par rapport à ces personnes-là. Donc là, moi, je pense véritablement que ces personnes sont dans un cocon, d'accord, et je leur connais que la situation est difficile pour une majorité de personnes, mais je vous le dis bien, dans le privé, etc., ces personnes-là encore, celles qui émergent vraiment du CPAS, vont encore avoir de plus en plus difficile. Et donc là, moi, je rejoins le bourgmestre par rapport à ça. Je pense qu'il y avait, et moi je le vis depuis 20 ans au niveau de la politique sinassienne, je trouve que le CPAS doit être une chambre où on doit essayer de travailler, parce que c'est vraiment pas évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on doit essayer de travailler main dans la main, et encore plus dans la situation où les CPAS et où les communes vont être mangées dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je crois qu'il faut vraiment de la solidarité pour sortir de cette crise successive. Il est là, monsieur le bourgmestre, mais tout simplement deux réflexions. J'ai été étonné d'entendre le mot « cocon », les gens qui vivent dans un cocon. À mon avis, vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Hein. Deux, de dire qu'il y a des locataires qui ont de grosses pensions, faites donc un listing des montants des pensions. Si, vous avez dit des grosses pensions. Des montants, des listings, faites un listing des montants des pensions perçues, vous serez étonné de voir qu'il y a beaucoup de petites pensions au niveau des locataires. Alors, au niveau régional, ben, nous savons que nous n'avons pas la possibilité, au niveau de la commune de Ciney, d'intervenir. Je vous dis franchement, personnel, je suis d'accord avec vous, plutôt que de serrer comme ça des indexations suivant les barèmes A, B, C, D, E, F, qu'on aurait bien fait pour tout le monde de limiter l'indexation. Elle était de 2% l'année passée, elle est de 10% cette année-ci. Ça ne va pas, et le gouvernement wallon aurait dû dire on met une barre maximale dans l'indexation et il n'y aurait pas eu tous ces problèmes que nous connaissons, tant dans le privé qu'avec les logements sociaux. Mais Frédéric va maintenant intervenir. Merci Frédéric. Donc, collègue, te cède la parole. Alors, je te cède la parole. Oui, allez-y. Mais je ne verrai plus, moi, en décembre. Merci, monsieur le président. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur le receveur régional ou le directeur financier du CPS pour l'échange de mails que nous avons pu avoir pour des points plus techniques compte tenu de l'absence de Séverine. Donc, je ne reviendrai pas sur
certains éléments de la modification budgétaire qui était sans doute plus de nature, plus technique et que nous avons pu éclaircir ensemble. Je voudrais simplement rappeler quand même quelques éléments qui me paraissent importants. C'est que manifestement, on l'a dit il y a peu, la situation se dégrade et elle se dégrade également dans forcément les comptes du CPS. On le voit dans cette modification budgétaire, même si l'intervention communale n'est que de 50 000 euros de façon supplémentaire, ça masque en fait la réalité des choses, puisque pour équilibrer son budget, le CPS a dû quelque part vider ses réserves. Un peu plus de 100 000 de prélèvements sur le fonds de réserve, ce qui laisse très peu de marge pour la suite. Alors évidemment, une des causes principales, c'est l'augmentation des salaires. Hein. On le vit à la commune, on le vit au CPS, hormis les articles plus spécifiques d'action sociale. J'avais à ce niveau-là une question à vous poser. L'AMB a été réalisée à un moment où on n'avait pas encore une vue très précise de l'indexation des salaires, puisque vous savez que tous ceux qui se passionnent pour cette matière au niveau financier, parce qu'ils sont tracassés pour leur budget, suivent l'évolution du bureau du plan, qui tous les jours nous donne un peu les prévisions. Et les nouvelles sont plutôt mauvaises pour les finances communales, bonnes pour ses employés et tous ceux qui seront indexés, puisqu'on a à nouveau un index de prévu au mois de décembre, qui était plutôt prévu au mois de janvier. Et donc ma question est de savoir, dans cet MB qu'on nous présente aujourd'hui, il n'y en aura sans doute plus le reste de l'année, est-ce qu'on a tenu compte de cette nouvelle indexation de 2% au mois de décembre qui était imprévue, ou est-ce que les articles prévisés proposés en matière de personnel seront malheureusement difficiles à tenir vu cette indexation imprévu, et la question est sans doute la même au niveau de la commune, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, je vous le conseille. Ensuite, je voudrais attirer l'attention sur un élément qui est toujours très intéressant pour ceux qui parcourent les comptes du CPS, qui est en fait le rapport de la commission budgétaire, et on peut comme ça lire l'avis de la présidente, lire l'avis de la directrice générale, qui insiste évidemment sur les deux éléments que j'ai repris, la majoration de 50 000 euros, mais le fait qu'on ait vidé les réserves, mais également du directeur financier. Et un élément m'a particulièrement interpellé, c'est qu'il constate lui aussi que le fonds de réserve a été presque vidé, ce qui en risque, écrit-il, d'entraîner des difficultés lorsqu'il s'agira de rembourser les subventions Covid trop perçues. Je vous avoue que ça m'a fort interpellé de lire ça. Je pensais que c'était un peu dans notre dos ces subventions Covid trop perçues et qu'on avait pu, forcément, on en avait parlé, nous regrettions qu'il y ait comme ça des montants importants au moment du Covid qui n'avaient pas été utilisés, qui vont devoir être remboursés à l'autorité subsidiante. C'est peut-être un peu malheureux, mais ne revenons pas dessus, mais je pensais que c'était quand même une affaire oubliée. Et donc j'étais surpris de lire qu'en fait, ces subventions ne sont toujours pas remboursées et vont devoir l'être, et que le directeur financier lui-même s'inquiète, vu l'absence de réserve, de se dire, ben, dans le fond, comment va-t-on les rembourser? En tout cas, il faudra prévoir dans le budget 2023 des moyens complémentaires pour ce faire. Et on ne parle pas quand même de 3 sous, puisque la subvention Covid générale, 81 000 à rembourser, la subvention intégration, 54 000 à rembourser, la subvention article 60, même si on attend encore une confirmation, 59 000 à rembourser. Donc on est déjà, rien qu'avec ces trois-là, à presque 200 000 euros à rembourser. Donc pour moi, c'est vraiment un point de surprise et d'attention. Et je voudrais savoir si vous avez des infos plus précises par rapport à une éventuelle négociation régionale qu'il y aurait, ou fédérale, puisque certains, je pense, dépendent également au cofinancement du fédéral. Vu la situation que les communes et les CPS vivent, sur le fait qu'on revienne éventuellement sur ces demandes de remboursement, ce qui simplifierait le budget 2023, qui permettrait d'autant plus, je l'espère, puisque ce sont des articles dédicacés, d'avoir comme ça une aide spécifique pour des personnes en difficulté. Et comme mon collègue l'a exprimé, ce que tout le monde reconnaît, il y en a de plus en plus. Alors effectivement, cette modification budgétaire, elle est, vous l'avez compris, assez technique. On corrige les articles d'action sociale, on corrige les frais de personnel, j'espère complètement, j'espère que décembre était pris en compte. Et puis on équilibre ça avec une majoration de la commune et du CPS. Et donc, bah, ça n'augure rien de positif par rapport au budget 2023, qui, comme pour la commune, sera évidemment un budget vérité, même si on ne va pas déjà faire la discussion
du budget communal. Mais heureusement, il y a quand même une ou l'autre bonne nouvelle dans le paysage noir qui, budgétaire communal qui arrive, entre autres, un changement de loi au niveau de l'IPP. Mais on en reparlera parce qu'à ce niveau-là, j'espère qu'on aura une concertation. On a des demandes assez précises quant à l'utilisation qui sera faite de ces suppléments importants qui vont être versés aux communes. Je vous remercie. Merci Frédéric. Donc Gaëtan va te répondre. Juste au niveau des subsides trop perçus, on a discuté, on a eu la même réflexion que toi, hein, au niveau de la réunion de la concertation commune CPS. Et le directeur financier du CPS nous a répondu que voilà, on espérait vraiment pouvoir les garder et qu'à défaut de pouvoir nous aider, on voit mal la région wallonne venir nous retirer de l'argent, quoi. Donc on espère qu'à un moment donné, ben, plutôt que de dire on vous aide, on va plutôt vous dire ben, on vous laisse ce que vous avez eu et que vous avez trop eu. Donc voilà où on en est actuellement. Si maintenant on est amené à rendre ces subsides, comme les autres CPS d'ailleurs, il n'y aura pas que le nôtre, hein, ben, voilà, on fera une modification budgétaire en ce sens, on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, on voit mal la région wallonne dire vous devez rembourser de l'argent alors qu'on est déjà dans les cortes. Mais bon, à l'impossible, oui. Peut-être juste une brève réponse juste sur ce point-là, si vous le permettez, Monsieur le Président. Effectivement, ben, vous l'avez entendu, je le plaide également, une des difficultés qu'il va y avoir, c'est qu'il faut quand même bien se rendre compte que certaines communes les ont complètement utilisées. Hein. Et donc, une décision horizontale à la région n'est pas simple, parce que quand on dit des subsides trop perçus, c'est en fait des subsides dans notre chef non utilisés, alors que, principalement dans des grandes villes, mais on ne va pas les citer, ils l'ont été. Mais en tout cas, nous plaidons également, et si on peut vous aider dans cette plaidoirie, on pense qu'effectivement, c'est salvateur pour nos CPS. Merci Frédéric. Gaëtan. Oui, donc je rejoins vraiment Monsieur le Président qui disait ici, vraiment pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, c'est un peu le no man's land par rapport à cela, et de dire qu'il y a vraiment de nombreuses communes qui sont dans la même situation que nous, parce que certains subsides étaient vraiment très difficiles à appliquer, etc. Donc on croise vraiment les doigts pour arriver à conserver finalement ces différents subsides. Donc la deuxième question, c'était par rapport à la mauvaise nouvelle qui est tombée récemment. Mais comme tu le dis, on n'a pas une boule de cristal pour l'instant. Ça change véritablement, on va dire, toutes les deux, trois semaines. Et les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Donc ici, au niveau de la commune, on avait prévu une petite pomme pour la soif par rapport à certaines choses qu'on avait conservées et tout. Au niveau du CPS, là, l'information, les différents chiffres qui nous ont été donnés à l'époque et la modification budgétaire avait même été réalisée quelques jours avant. Et donc ici, je crois que les chiffres, il y a une petite pomme pour la soif, mais sans plus. Donc là, il faudra peut-être également, bien sûr pas cette année, mais on verra un peu par rapport à ces différents montants. Mais c'est clair que pour le moment, et là, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je ferai peut-être une communication qui tend vers le prochain conseil, c'est que par rapport aux différentes inconnues que l'on a encore à l'heure actuelle au niveau de la confection des budgets et en coordination avec les services comptables et le directeur financier, on a décidé de reporter finalement le vote du budget au début de l'année 2023 et donc passer par les 12e provisoires. Frédéric. Merci Monsieur Léchevin, merci Monsieur le Président. Bah, j'entends que pour la commune, donc, nous serons tenus en haleine pour votre budget vérité jusque fin janvier ou mi-janvier par rapport à sa confection. J'ai par contre été un peu surpris de votre réponse, Monsieur Léchevin, par rapport à mon inquiétude vu l'indexation des salaires, puisque vous me dites qu'à la commune, il y a une poire pour la soif, qu'au CPS, ça risque peut-être un peu de coincer. Mais alors, comment va-t-on payer les salaires du mois de décembre, puisque on va alors forcément être avec des articles, enfin vous connaissez l'orthodoxie budgétaire, qui ne sont pas garnis. Cela veut dire que le CPS devra annoncer à son personnel qu'il les payera en 2023 quand des crédits seront à nouveau dotés. Je suis un peu surpris de cette réponse. Non, là, j'ai difficile à répondre par rapport à ça, mais je pense qu'il y a également une pomme pour la soif qui a été réalisée.
au niveau prudence, mais ça je vous répondrai peut-être pour cette question un peu plus technique par écrit demain ou après-demain. Et s'il faut vraiment in fine passer par une MB3, alors on mettra une MB3 en place et on la mettra au mois de le 14 décembre. Donc si on n'a vraiment pas le choix, on la mettra, mais voilà. Ouais. Donc voilà. Ça va être chaud. Voilà, mais de toute façon, je pense que ça n'influera pas sur le résultat de votre vote. Hein. Donc, est-ce que vous souhaitez un vote ? Ben oui, nous souhaitons un vote et donc nous allons suivre le vote de nos excellents conseillers de l'action sociale qui se sont abstenus. Nous avons toujours eu cette position, comprenant les difficultés qu'on a nous-mêmes décrites de l'action sociale, mais n'étant pas toujours convaincu par certains articles. On avait longuement exposé lors de la présentation du budget, donc je ne vais pas y revenir. Et nous nous abstiendrons donc avec une abstention d'encouragement, en tout cas pour se pencher sur les problèmes, j'espère, sur lesquels j'ai pu insister dans ma courte intervention. Merci. Merci. Et François voulait aussi annoncer une bonne nouvelle, je pense. Pour être encore plus positif, nous allons aussi suivre notre excellent collègue du Conseil de l'Action sociale, Éric Cuéry, qui lui a approuvé cette modification budgétaire, s'agissant principalement d'une modification technique, notamment pour suivre les indexations. Donc nous aurons un vote positif. Merci à tous. Pour, qui est contre, qui s'abstient, 18 oui, 5 abstentions. Je vous remercie, je remercie le public, restez jusqu'au bout. Je remercie la presse et je remercie les internautes de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 14 décembre prochain. Bonne soirée à tous et à toutes.